Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware, votre émission high-tech du lundi soir en direct avec une équipe de folie. Après ce, après ce live Gears of War passionnant, mon cher Pentaou, tu t'es téléporté as vu ça sur le plateau du sous-sol. Euh, plateau toujours temporaire, je le rappelle, ceux qui se demandent. Euh, si on n'a plus d'argent à Webedia, non, ça va très bien. Le truc, c'est qu'il y, y a les plateaux ah non, principaux qui sont en train d'être faits pour la ça, JVTV. Malheureux. Vous le savez, euh, ce sera mercredi qu'on qu les utilisera. Donc, euh, voilà, grosse surprise à venir. Et euh, le JDH sera de retour sur ce nouveau plateau la semaine prochaine. Mais comment ça va, Pentaro bah écoute, ça va un peu speed avec l'heure de live sur Gears of War 4, mais tout va bien, je suis OP comme on dit. Ouais, et oui, t'es OPSP même. <laughs> c'est ça, exactement. <laughs> es ma première OPSP, tu vois, donc, à je ne suis plus vierge, euh, voilà. Ah, j'ai perdu ma, ma vie. Alors que tu te sens encore plus riche, ça fait quoi euh, Non, parce que j'ai fait ça gratuitement. Le par amour du jeu, mais t'es fou. Par amour du, jeu. Je fou, par amour du toi. jeu, tu vois, par amour de la Xbox. Oh là là, ça, je ça, suis ça, tellement fier de toi. Ça, c'est passionné et passionnant. Et d'ailleurs, tu seras, pour vous dire à quel point cet homme est un marathonien, tu seras encore dans l'émission qui suit. C'est-à-dire que là, c'est la triple dose de, de Pentarou. Ah, c'est la soirée ouais. Pentarou. Ah, ah, il va m'aider, il va m'aider voilà. parce que la je, sens, ah, je sens que c'est pas. Voilà, possible. Avec, avec, avec le Ken. Le chaud. Et donc Ken, regarde, euh, comment vas-tu Fort bien équipé. Alors oui, moi, j'ai testé euh, le PlayStation VR tout le week-end et de comme fond vous, en vous voyez, j'ai appris enfin à m'en servir convenablement. Ça a été extrêmement difficile, On mais, un mais un je dois héros. bien avouer que le réalisme est total. On dirait un héros de Je vois Pentarou comme s'il était à côté de moi. C'est fou, j'en Je, prends un Noël. Je crois que tu n'as pas tout compris. Donc tu seras avec nous pour cette émission et donc aussi euh, sur Gears Après. Et la Chrono, voilà. Toujours présent. La caution euh, journalistique et sérieuse de cette émission. Euh, bon, il y a le friend journaliste, mais Chrono, il travaille quand même dans un vrai journal. AK <laughs> TV5 Monde, c'est ça, ça ça. va bien, TV5 Monde Ça va super. Toujours euh, les attentats, le terrorisme, le, voilà, le, les, les catastrophes naturelles, les ouragans Mathieu, ce genre de choses. Tous, les, tous les trucs qui voilà. font plaisir. Plaisir un petit peu. Bon. Trump aussi un petit peu. Un petit peu Trump, Trump Donald Trump. Euh, ok. Et donc euh, voilà, ce soir on va vous parler euh, de réalité virtuelle. Vous l'avez donc compris, on va vous parler euh, un gros focus sur les annonces Google qu'a préparé Pentaro. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire en dernière partie d'émission. Ce sera les tests. Voilà. Euh, et c'est Shazie et Paul qui ont fait un bisou qui sont à, à la réalisation. Et on balance tout de suite bon, le bon, premier bon. jingle. C'est le jingle dossier. Voilà. Et j'ai donc mesuré le temps de réaction de chasis à 0,3 secondes pour balancer le jingle, et ça, c'est le signe, c'est la marque des plus grands, ça fait plaisir. Du coup, voilà, on va commencer par euh, la réalité virtuelle, parce que ça y est, enfin, ça se concrétise. C'est-à-dire qu'on en a longtemps parlé, c'était théorique, euh, on a fait des émissions là-dessus à l'E3 euh, et précédemment, euh, même il y a plus d'un an d'ailleurs, et là ça y est, les produits sont enfin sortis, notamment l'Oculus, euh, mon cher chrono. Et Oculus qui a aussi euh, bah fait un petit peu bouger tout, tout ce petit monde avec de grosses annonces cette semaine. Exactement. Alors, Oculus a eu sa conférence Oculus Connect 3, donc euh, la semaine dernière. D'accord. Et euh, ils ont annoncé pas mal de choses, en fait, euh, notamment le prix enfin des Oculus Touch, donc qui sont les, les accessoires, euh, les sortes de pads qui Sont euh, comme des sortes de gants avec des sticks analogiques et des boutons, les, les manettes, quoi, les, les manettes, manettes, manettes d'Oculus Rift, quoi. entre guillemets, ouais, de l'Oculus ouais. Rift, c est, c est un peu comme ce qu'a Ken là, il fait ça, il fait l'andouille, mais c'est ce qu'a Ken là sur lui, là, c'est ça, fait ça c'est ce ce la version PlayStation, pas juste les joueurs, la version sextoy ou PlayStation, c'est un libre Donc, ça y est, l'Oculus a donc des manettes. Voilà, enfin, il y a une date de sortie d'annoncer, c'est pour la fin de l'année, on peut commencer, c'est ce qu'on voit, c'est ça, ce sont les Oculus Touch, alors elles sont annoncées au prix de 200 dollars. C'est cher! C'est cher, d'autant plus qu'à l'intérieur, il y aurait des piles. Ça, c'est un oh, petit peu dommage. Comme dans une manette d'Xbox. C'est la preuve que, tu vois, ces <laughs> meilleures architectures fonctionnent à pile. Alors, mmh. alors, alors raisonnable, raisonnable ou pas, euh, après, ça dépend de la technologie. Toi, 200 balles, comme d'habitude, le chat alors, en PHS, ça dépend de ce qu'il y a dedans comme technologie. Est-ce que c'est hyper je serais, précis? Je serais obligé de faire bon, des déjà, parallèles. Des piles, <laughs> mais bon. Je suis obligé de faire des parallèles constants avec le Vive, parce que moi, j'ai un Vive à la maison. Attends, tu sais quoi, ça, ça on y viendra peut-être à la fin sur le comparo Je sais pas yes. ce que t'en penses, Pe peut-être. Peut-être qu ouais, ouais. qu'on le C'est vraiment l'Oculus qui porte le mec. Ça, ça c'est un Oculus. Ouais. D'accord. C'est un Oculus. C'est petit. petit là, les touches en main, 200, 200 enfin, dollars. Les, tous les câbles sont hors -champ, en enchantés. Sachant que l'Oculus est annoncé à 599 dollars aux États-Unis, mais chez nous, c'est 699 euros. C'est la petite taxe européenne. La petite taxe européenne, donc peut-être. Que ça sera un peu plus cher, mais bon, je pense que ça peut être 200 euros quand même. en enfin. ça, ça l'Oculus serait... est renommé en Europe hein, comme par Anculus. En fait, voilà, c'est Cette émission est regardée par des jeunes. on a des sextoys dans les mains, excusez-moi, oui, on est fait ans, hein, donc pas illusion. Ce dont on parle là, le, le, le ce qu'on voit à l'image là, c'est très intéressant. En fait, c'est ça fait partie de leurs annonces, notamment pour le jeu vidéo, parce qu'il faut savoir que dans cette conférence Oculus Touch. Il y a eu une petite partie jeu vidéo, mais quand même le gros de la conférence a été fait par Mark Zuckerberg. Donc c'est vraiment la partie Facebook et sociale qui a pris le pas en fait sur la partie vidéo ludique. On rappelle qu'Oculus appartient à Facebook. Ils ont été mmh. rachetés exactement. Ils ont été rachetés. Je crois c'était plusieurs milliards. Enfin ouais. pour les propriétaires ça va ça va bien maintenant. Et du coup euh, en fait il faut savoir que pour pouvoir être euh, utilisé un casque de réalité virtuelle dans des conditions optimales il faut que l'image. Enfin, il faut afficher 90 images par seconde, en fait, de manière optimale. Sur pour chaque tout... œil Sur chaque œil, tout à fait. Exactement. Sur œil, hein. Ah oui, parce que si tu as, si as, si as un truc à 90 et sur deux... un œil et 45 de l'autre, à mon avis, tu gères. deux enfin, écrans qui doivent tourner à fait, 90 images par seconde. C'est pour éviter ce qu'on appelle le motion sickness. Ouais. C'est ouais. pour éviter d'avoir des vomissements et un dérèglement de l'oreille interne, simplement. Et ils ont fait une grosse annonce à ce sujet qui s'appelle Asynchronous Space Warp. Qui permet swap, en fait d'afficher euh, donc à 45 images par seconde et de entrelacer entre une ouais, autre image, donc c'est 90 images fictives, mais le GPU à utiliser que oh, 45. Tu es en train de me dire que là en gros il divise la, la, la puissance de calcul par deux pour réussir à afficher 90 fps. Alors en théorie, oui, ouais. c'est ça, et d'ailleurs ça euh, s'est répertorié, ça euh, s'est euh, concrétisé d'une certaine façon. Euh, c'est que du coup, les spécificités requises pour l'Oculus Rift ont été revues à la baisse. Auparavant, il fallait une 970 avec un Core i5, je me souviens plus exactement de quel modèle de Core i5 il s'agit, mmh. euh, et 8 Go de RAM. Et maintenant, aujourd'hui, il faut une 960 avec euh, excellente nouvelle, je crois un Core i3. Donc c'est jeu, un Core i3. Ouais. Donc du coup, en fait, ça permet à de plus petites bourses entre guillemets d'avoir un ticket vers l'Oculus Rift en fait. Simplement. Ça parle mal des petites bourses. Et euh, moi, ce que je, je ça, trouve, ça, c'est une technique ce gay trouve... comme le monde, ça. Alors non, oui. non, mais ce qui est, ce qui est fou Ken là-dedans, c'est que en général, dans le monde euh, de la VR, de la technologie, on le voit bien ici dans cette émission en raisonnable, c'est en général, c'est on dit... C'est de plus en plus cher, et il va falloir tout upgrader. C'est la première fois depuis hyper longtemps que j'entends. Non, non, on a optimisé, et maintenant ça va mieux marcher sur les petites configs. Franchement, ça mériterait presque... Alors j'ai même un petit bémol là-dessus quand même, parce qu'il faut savoir, donc voilà, une 960 ou un corps I3, tu vois, pour pouvoir euh, justement profiter de l'Oculus Rift. Donc cette technologie utilisée par Oculus, en fait, existe aussi euh, chez le Vive depuis quelques temps. Ah, ça s'appelle okay. la reprojection permanente. Et moi qui ai un Vive, j'ai essayé d'activer la reprojection permanente pour voir ce que ça donne. Et en fait, je suis très mitigé sur les résultats. Moi, j'ai ah. tendance à ne pas le, à ne pas le mettre. Bon, moi, j'ai une bonne configuration. mais ça, ça reste différent, évidemment, que si tu 90 vraies images. Hein. C'est évident. Il y, y a une vraie gêne quand tu te déplaces notamment ah. et quand tu fais des mouvements rapides. Quand parce que tu t'es habitué par au-dessus. Si, es... au si tu pars d'en dessous et que tu passes à ça, tu verras mieux. Si tu pars d'au-dessus et que tu passes à ça, évidemment, tu vas te sentir moins bien. Ça va plus loin que ça. Je vais te donner un exemple beaucoup plus simple. Si tu joues à Street Fighter en 60 images par seconde, et si tu joues à un jeu... Posé comme un str à 30 images par seconde, ouais. ce sera moins gênant pour un str. Eh ben, c'est pareil, quand tu utilises la Synchronus euh, swap, euh, je ne sais plus trop quoi, si tu es à 45 images par seconde et que tu es dans, devant un jeu où c'est très statique, où tu n'as pas besoin de faire de déplacement, ouais. c'est assez contemplatif, ça ira. Si tu as des mouvements rapides, par contre, là, ça fonctionne mal en fait. Tu as cet effet de rémanence bizarre. Qui mmh. fait que ça ne fonctionne okay, pas tout à si fait joues bien. Si tu Hearthstone, c'est très bien. <laughs> voilà, en VR, si jamais un jour il sort <laughs> Hearthstone en vert. Ce qui est une bonne idée en fait en soi. Ah ouais ah, tout bien. à fait, prendre les cartes, le les poser, etc. Oui, ça sur ça un, peut un vrai plateau, ça peut être fun. On va faire venir Torque pour lui demander. Euh, ok, donc euh, je résume. Euh, donc Oculus a sorti des manettes, 200 balles. Oculus annonce une meilleure technologie entre guillemets, pour euh, demander moins de ressources et la, la config requise baisse. Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient d'autres en stock Alors, d'un point de vue euh, gamer, d'un point de vue hardware, ils ont aussi annoncé un autre casque. Enfin, ils ont teasé un autre casque. Donc, on connaît déjà le Gear VR qui appartient aussi à Oculus. Donc, euh, c'est ce qui se met sur euh, les Samsung Galaxy S7, S8, Oui, j'en ai un. T'en un. Voilà, Genre. il est là. Il est à euh, gauche. On connaît donc l'Oculus Rift qui s'adresse au marché du PC, donc là pour afficher du lourd, etc., jouer à de vrais jeux vidéo. Ouais. Et au milieu, ils ont annoncé ce, le projet Santa Cruz, qui est un casque de réalité virtuelle autonome, totalement autonome. Ils, ils ont annoncé comme étant le premier casque de réalité virtuelle totalement autonome, c'est-à-dire que tu mets le casque, tu as dedans un processeur, tu as un GPU, enfin, fait, ouais. tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir profiter en fait en soi une très 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 bonne chose enfin je sais pas ce que ce que ça vaut mais bon regardons cette petite vidéo déjà Tim chemise à carreaux euh, Tim chemise à carreaux oui c'est le cousin bien bien en Californie c'est le cousin de Pentaro et le gars euh, porte ça ça a l'air euh, effectivement assez euh, ils ont assez intégré, pratique ils ont intégré un téléphone dans le casque quoi voilà ils ont mis un chipset euh, bah, ils ont mis 260 euh, et un i3 dans le casque par exemple alors mais non si bah, évidemment que si à mon avis ils vont plus se baser sur des processeurs. Oh, je pense euh, qu'ils ont plus mis plus des pros de téléphone. Voilà, hein. de, un, de, un, sans, un, sans, un de, de téléphone. C'est un Gear sans c'est un de téléphone. Tu maîtrises parfaitement une 960, tu maîtrises parfaitement. Tu gères le TDP sans problème. Donc, l'évacuation ah, de chaleur était peinard. Hein. Le véritable problème, c'est la consommation. Tu mets un SOC euh, P1 de chez Nvidia. Très bon point soulevé par Ken Alors, ça, par contre, faudra voir. Parce qu'on nous dit, du coup, j'imagine qu'avec ça, on est débarrassé des fils. C'est ça. Par contre, si le truc il a une autonomie de 40 minutes, ça va pas. Mais attention, tu ne vas pas utiliser ça pour pouvoir faire du jeu vidéo. Tu ne vas pas utiliser ça pour faire des choses qui demandent beaucoup de ressources Forcément tu vas l'utiliser pour ah, des trucs Ah, d'accord. Donc ce casque-là, donc ah bah, avec, euh, Sandra Cruz, ce serait pas forcément pour jouer. Bah quand tu vois ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner euh, des jeux entre guillemets qui tournent sous Unreal Engine 4 ou ce genre de choses euh, sur un Oculus ou sur un Vive, il faut quand même un très, très... Il faut une très grosse carte graphique. Par exemple, Nvidia a sorti VR Fun House qui sera compatible aussi avec les Touch. Euh, c'est une sorte de mini-jeu avec les technologies Nvidia comme Physics, etc. Flex, donc qui montre en fait euh, quelque chose de joli à regarder, même si c'est très limité. De point de vue, on ne peut pas aller très loin. Voilà, c'est plusieurs mini-jeux en VR, jeux en VR. et en recommandé. Donc pour jouer en moyen, c'est 1080 qui est demandé. Reco pour jouer en moyen. Enfin, il y a trois niveaux il y a bas, moyen et élevé. Ouais, en mais... bas, il demande une 1060, en moyen, une 1080, et en il demande un LSL. <laughs> je rigole parce que j'ai vu la tête de Pentaro et lui, il a une Titan, une titan X. C'est-à-dire ah. a fait, oh, pff, bon, pff, ça easy va. Quoi, easy oui, non, mais, là, ce que je voulais démontrer par là, c'est qu'avec un casque qui a tout embarqué dans, une petite, dans un petit boîtier comme ça, tu n'as pas une 1080, tu n'as pas une 1060 dedans. Oui, tu es, es loin de tout ça. T'es euh... très loin de tout ça. Donc, ce ne sera pas pour la même utilisation. Après, ils l'ont un peu vendu en disant que c'était le premier, mais il ne faut pas oublier, ça, c'est la caution Pentaro, que quand même, HoloLens, même si ce n'est pas exactement la même chose, c'est quand même quelque chose de autonome aussi. Hololens est autonome. Euh, ça n'est branché à contre, rien. Par contre, Hololens, donc on le rappelle, c'est la technologie pas de réalité virtuelle, mais de une réalité, réalité augmentée, augmentée de Microsoft. Euh, qui C'est aussi un casque autonome, mais euh, il me semble que ça coûtait une blinde. Ah non. si, ça coûte 3000 dollars en version. Ah euh, <laughs> euh, ouais, ouais. ouais. En voilà. version Attendez, c'est le version. kit de dev qui coûte 3000. Oui, c'est le kit de dev. Hein. Je me, me mal de dev. Il y a des nouvelles versions qui sont en train d'arriver, notamment il y a la conférence Microsoft qui arrive le 26 octobre. Ah, donc voilà, donc peut-être ouais. qu'on va voir un Lowlands annoncé grand public, on sait pas. Hein. Après moi je vais pas parler de Lowlands parce que je n'ai pas essayé, que je ne sais pas trop. Mais moi j'ai essayé hein, le 3 hein, avec, avec la démo Halo 5 et euh, c'est léger, ça tourne très très bien. Le seul défaut en fait c'est l'angle de vision qui est limité à 40 degrés. Bah, ce qui est Très, très embêtant. Bah, c'est ah un peu la chose la plus le importante le point, dans un casque le point VR. Noir de l'HoloLens. Le et justement ils étaient en train de travailler pour élargir cet angle de vision à savoir que les autres casques d'réalité augmentée sont plus entre 60 et 80 degrés de d'angle de vision. Ah non, sur le PSVR, c'est environ en réalité augmentée. Ah oui, ah, d'accord. Ah, d'accord. En réalité augmentée ah, oui, et, et le plus grand qu'on ait vu pour l'instant c'est 120 degrés euh, mais par contre, ils font un PC dedans. Il faut un PC ouais, derrière, tu vas ouais. Donc en casque autonome, ils vont essayer ça fait lourd pour la nuque c'est pour ça que le Lolens est très bien mais il faut qu'ils augmentent ce champ de vision. Ouais, et puis surtout Hololens, le en enfin, fait, on fait une aparté là-dessus. Ils sont pas au niveau de développement et d'avancement de la réalité virtuelle. Tu vois, ils sont, à mon avis, ça va encore vachement évoluer. Il reste de la marge pour optimiser tout ça. Bah, ils font déjà, ils sont déjà présents en fait dans, au musée de l'espace de Cap Canaveral, où ils font en fait une, une, une attraction. Tu mets le Hololens et tu te balades dans, sur Mars. Euh, donc, comme... ah, ça, tu... Et là, ouais. du coup, c'est la réalité virtuelle et pas augmentée. Ouais, non, ouais. mais moi, c'est la réalité oui. augmentée. Hein. Non mais si tu te balades sur Mars, c'est que ah, c'est la bah, réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, es dans, ta, es dans une pièce. Et tu Mars qui apparaît. Ah, t'es dans une pièce toi, mais vide où il a rien Exactement, ouais, t'es une pièce tu vois, aménagée et en fait tu mets le casque et tu te balades en fait sur Mars. Ouais, bah, voilà. Mais, mais le... tu vois quand même ton environnement donc il si ah, suffit des cailloux factices, etc. Tu vois, t'es en Mars quoi. C'est très bizarre vos trucs quand même. Hein. Très, donc, très, très bizarre. Euh, voilà pour les annonces. On n'a pas, peut-être que tu l'as dit mais et que je l'ai zappé, mais on n'a pas une idée de prix pour ce casque là Santa Cruz Non, pas du tout. Pas pas il n'y a rien d'annoncé, pas, pas de date. C'est vraiment un prototype quoi. Ils ont juste dit on travaille sur ça, ça existe, regardez. Euh, voilà ce que ça pourrait donner dans quelques temps pour un autre marché. Ils ont bien spécifié que c'était pas pour les marchés existants, c'est pour un autre marché. Donc, ça, c'est quand Alors, même qu -ce assez que, important. Merci, Chrono, pour le détail des annonces. Qu'est-ce que ça vous évoque uh, Pentarou, qui connaît assez bien le sujet. Ken Bogard qui est peut-être uh, plus novice, mais je pense que ça te parle quand même. Ken, uh, voilà, ils annoncent du coup des manettes. Ils annoncent un casque bientôt, enfin, bientôt dans un futur à moyen terme euh, autonome. Est-ce que ça te semble aller dans la bonne direction Ou est-ce que toi, ça La te bonne parle... direction. Enfin, en je sais pas s'il y a une bonne direction à prendre avec la réalité virtuelle, de toute façon c'est je sais pas moi je comprends toujours pas le pourquoi ils investissent autant dans... dans ce machin là moi tu ne comprends pas non je comprends pas sincèrement je bon, ok Ken Bogard est sceptique mais ça, ça ne m'étonne pas il est il est anti progrès et non <laughs> mais c'est faux J'adore <laughs> <il est rire> <vieux. rire> ah, <non>, le progrès <rire> <justement>, <rire> <rire> il, il est vieux c'est pour ça <laughs> il est vieux dans sa tête alors qu'il a 18 ans tu vois bah non malheureux. mais je bah, ne si. sais pas mais regardez-vous jouer avec vous avec ça vous êtes tous ridicules les gens, vous êtes ridicules, les gens n'accepteront jamais d'être ridicules. Voilà, regarde, qu'est-ce qu'il y a sur le côté Mais je suis ridicule. Bah, il était dans le 93, tu sais. Je suis ridicule et ça coûte cher. Alors peut-être ça coûtera moins cher plus tard, mais ah, bah, Quel alors, intérêt ça, Alors pour toi, donc je, je traduis. Donc le, le côté euh, l'objet en fait, t'aimes pas l'objet, le fait de porter espèce. Ah, mais il bah, y a l'objet Et, et, et c'est trop clair. cher. Quelles, quelles options s'offrent à nous Soit tu as un PC de bâtard, tu peux profiter du truc, tu as quelques applications qui te font C'est Mumu, c'est cool, tu peux jouer euh tu peux jouer au vaisseau dans l'espace. Ah, tu t'amuses comme Daz, C'est tr très très bien, mais finalement tu restes isolé. Soit, euh, eh bien, je ne sais pas. Fin... Tu restes isolé. Et quand tu doses quand tu doses ton, soit, World of Warcraft, soit tu as, as le vibe il faut et une, cas, un espace de, Warcraft, de malade ouais. pour installer tous tes machins autour pour que tu puisses te déplacer. Euh, et quoi qu'il arrive, tu as toujours 40 millions de fils et tu es toujours dépendant du PC. Soit tu pas dépendant du PC à ce moment, tu achètes ton Gear VR, tu mets ton Samsung à 800 balles à l'intérieur et là tu peux lire tout le porno que tu veux. Oh, très bien, c'est une autre façon de, oui, hein, une autre façon de, de consommer euh, la pornographie et ça j'approuve complètement mais euh, okay. pour tout le reste euh, je suis et même je dire pour le truc donc je suis moins sceptique c'est pour les choses qu'ils ont annoncé justement à la conférence Oculus cest dire tout l'aspect euh, social network et tout ça mais moi voilà. pour tout ce que, que j'ai testé de vidéo ça m'a donné envie de vomir à chaque fois quel que soit le FPS le machin le truc ça me donne envie de gerber j'aime pas du tout l'idée d'être confiné dans un truc non, euh, mais claustro, lorsque claustro. je joue. Non, mais justement, non. Donc tes clients le laissent, Complètement en fait. pas. Moi, j'ai en fait, bien les des endroits serrés, étroits je, je, mais... je peux oui. le comprendre. Je peux te comprendre parce Chronos que j'étais comme toi avant jusqu'à ce qu'on m'offre un HTC Vive c'est aussi simple que ça. Et, et tu vas me dire tu joues tous les jours euh, à ton HTC bah, Vive. Je l'ai eu assez récemment, C'est pas, alors, pas alors, un truc qui prend la poussière la comme ta U C'est la transition parfaite parce que c'est là où je voulais en venir. Du coup, ah, on a, la, ouais, chance on on tape, hein, on a la chance d'avoir Chrono. On a la chance d'avoir Chrono ici qui possède qui possède le HTC Vive. Du coup, maintenant que Oculus a dégainé, est ce que pour toi HTC Vive voilà, reste au dessus hein. et quelles sont les différences entre les deux produits alors, avant quand même, il y a un truc que Ken a dit et dont on n'a pas parlé très rapidement, c'est quand même qu'il y a eu beaucoup d'annonces aussi liées au social. Ils n'ont pas beaucoup parlé de jeux vidéo dans cette conférence-là. D'accord Mais ça, on va passer vite là-dessus parce que les avatars sociaux, les salons sociaux, regarder un film. Attends, ah, bah, on, on va enchaîner smash, sur le live hein. parce que là, on le voit. On okay. Enchaîner... ok, bon, ben bah, écoute, moi j'ai un Vive. J'ai un Vive Et en fait, euh, le HTC Vive, à mon avis, Oculus, avec toutes les annonces qu'ils ont faites vis-à-vis -vis des touchs, donc quand tu achètes ton Oculus Rift aujourd'hui, tu as le casque, tu as des câbles. Et tu as une sorte de petite caméra qui fait office de capteur, d'accord avec un angle de degré, un angle de. Un champ de vision un peu moins de, 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 moins de 100 degrés, d'accord Après, donc, tu achètes, à partir de la fin de l'année, tu pourras acheter des Touch qui vont te coûter 200 euros de plus. Ils vont te donner avec un deuxième capteur. Et ils préconisent un troisième capteur que tu peux poser pour faire ce qu'on appelle du room scale. Le room scale, c'est quand tu peux te déplacer à l'échelle d'une pièce. Ça veut dire ça, room scale. HTC, là où ils ont été, à mon sens, très avant-gardistes et là où ils ont été, à mon sens, très bons. C'est qu'ils ont prévu tout ça d'entrée de jeu. Quand tu achètes ton HTC Vive, il n'y a, a pas de division oui. entre guillemets oui. au sein de la communauté. Voilà. Tu as, as ton HTC Vive, donc tu as ton casque de réalité virtuelle. Tu as deux capteurs, mais qui sont des capteurs laser, donc qui envoient plusieurs points, un peu comme Kinect, mais en version qui fonctionne parfaitement euh, euh, dans toute la pièce. Donc tu les mets à, à l'opposé de part et d'autre de ta pièce. Tu as deux contrôleurs qui sont bardés de capteurs eux aussi. Tu as ton casque qui est bardé de capteurs. C'est pour ça qu'il a des tas de trous un peu à la Ghosting de Shell. Et en fait, ça te permet euh, de voilà de faire ce genre de choses-là, mais sans jamais avoir l'impression d'être dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'oublies en fait simplement. Et à cause du fait, comme je disais, ah c'est dangereux, tu t'oublies, tu, tu ne veux plus sortir de ce monde virtuel, tu ne veux plus en, en fait, sortir. Heureusement, Là, y a débat, hein. heureusement ils ont prévu ils ont prévu quand même euh, certaines choses comme euh, des sortes de grilles de pixels qui apparaissent quand tu t'approches d'un mur ou ce genre de choses, qui est plutôt bien fait. Mais à mon sens, euh, quand tu joues euh, avec un HTC Vive, qui est bien configuré simplement avec un pc puissant et eh bien tu es dedans quoi tu es littéralement dedans c'est meilleur quand on est dedans euh, le comparo pour toi ce que tu es en train de me dire c'est que l'offre d'htc l'offre d'oculus rejoint reste... rejoint celle de HTC, oui, rejoint en fait, finalement. GDC, mais celle d'htc est plus claire parce que bien pensé dès le début tu achètes ton truc il est très cher mais tu remets pas la main à la poche alors qu'oculus en fait on l'a vu tu te dis que le prix d'appel il est de 700 balles mais au final tu vas lâcher plus c'est ça. Et en plus de ça, il y a un autre problème qui est très important, c'est qu'il y a une division du, coup, du marché, enfin pas du marché, mais de, du consommateur, parce que tout le monde ne va pas acheter les Touch, tout le monde ne va pas acheter les, les, les caméras supplémentaires pour avoir le room scale. Donc du coup, tu auras encore plusieurs types d'expériences. Tu auras une expérience où tu vas... L'expérience entre guillemets Oculus, ce que j'aime appeler comme ça, où tu es assis ou debout euh, face à ton écran et où c'est un peu limité en termes de, de déplacement pour éviter ce qu'on appelle l'occlusion de ton propre corps par rapport au capteur ou à la caméra. Et les autres expériences pour ceux qui ont effectivement le room scale avec les capteurs qui sont partout, où tu peux te déplacer dans ta pièce, etc. Et pour moi, ça c'est le vrai problème en fait, de ces annonces faites sur plusieurs années. En fait. C'est une division euh, de l'utilisation de la VR. Euh, Aujourd'hui. Oui, et segmenter le marché. Segmenter segmenter le le marché. marché. Euh, dernière question, parce que mine de rien, on s'est déjà beaucoup étendu là-dessus. Moi, je voulais voir avec vous ce que vous pensiez de le, du fait de communiquer sur déjà un casque autonome. Tu vois, là, quand, quand Oculus nous dit c'est formidable, regardez, on a un casque autonome qui se branche à rien, est-ce que les gens vont pas se dire euh, c'est cool, l'Oculus il vient à peine de sortir mais franchement il y a déjà le mieux et on vient de me le montrer quoi est -ce mieux que... pas forcément mieux c'est ah, différent euh, c'est une expérience différente Être câblé de la tête aux pieds voilà relié avec euh, tous les branches ou alors ça c'est vrai ah, c'est chiant ça, mais... est ce que c'est -ce 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 là tu vois les gens vont pas dire attends moi je préfère c'est des balbutiements du truc moi j'attends un peu et je prendrai le casque qu'on nous a montré Pentaro non mais c'est bon, envie j'avais dire c'est pas trop tôt quoi c'est pas trop tôt ça fait depuis des mois qu'on parle de la VR et à chaque fois je vous dis quoi moi je vous dis qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas un casque qui soit parfaitement sans fil et que le PC stream le jeu en VR sur le casque directement. Ouais, ouais, ouais. Parce que avec, par exemple Nvidia, je stream de la 4K sans aucun problème. Je vois pas pourquoi... Ah, arrête de me faire mal comme ça. Je non, mais par stream... contre là, là il ouais. a raison. Non, mais pourquoi il voilà. n'y a aucun casque qui stream... Parce que du coup, la, la puissance de calcul, tu n'en as pas besoin parce qu'elle est dans le PC. Tu as juste besoin de la puissance pour alimenter tes deux écrans et afficher la résolution des deux écrans. Ce qui fait que tu as un PC avec un casque autonome avec une bonne autonomie parce que t'as pas grand chose qui consomme dedans si tu fous une bonne résolution d'écran, tu es tout gagnant Peterou, quoi tu es un génie mais oui et tu es un génie et je vais te dire un truc euh, le... ça, ça, en fait la technologie du streaming et donc du cloud gaming euh, dont on vous reparlera très bientôt oui après, on, on vous en reparlera très bientôt oui. va complètement révolutionner ce marché parce qu'aujourd'hui ce que dit le chat c'est, d'ailleurs je l'ai lu hein, sur le chat, il y en a qui disaient chrono il est bien gentil mais euh... Il suffit d'avoir un PC très puissant et un Vive, on est déjà à 2800 Mais ça, est balles. ça, c'est le débat interne, On est, est... On est je suis déjà à 2800, on ouais, 2800 balles. Si tu supprimes la composante avoir un PC puissant et que tu vas juste louer un PC en cloud gaming assez puissant pour te streamer ouais. le calcul, le, le jeu calculé dans ton, cas. casque, dans ton casque, on a tous les gains dont tu parles, Pentarou. Euh, L'autonomie, euh, le fait d'être débranché de tous ces fils, le fait de moins de dépenser, en tout cas euh, à l'achat, tout de suite pour, pour avoir un PC puissant et c'est peut-être ça l'avenir bah, mais il faut fait faire séculaire. attention à une chose, mais faut faire attention à une chose quand même c'est que ce, ce, La pas, non, non 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 même pas on ne parle pas de là là on parle de Santa Cruz donc le casque autonome qu'a présenté Oculus ce n'est pas du tout ça un ce n'est pas du non c'est ce autonome du... c'est comme ça mais je sais je sais non mais, mais c'est juste pour pour voir peut aller, on peut aller mais encore plus loin aller plus loin et d'ailleurs il y a eu une annonce il y a eu un groupe français dont j'oublie je crois qu'il s'appelle Quartz qui a annoncé justement récemment je me souviens plus à quel l'IFA d'ailleurs de Berlin euh, pour le Vive, une technologie qui permet justement de brancher tous les câbles dans une sorte de ceinture, en fait, simplement. Et du coup, en fait, tu branches parce que sur le Vive tu as, as un seul câble que tu branches derrière ton PC et un câble derrière ta carte graphique et après c'est relié à un boîtier et tout est lié en une seule gaine tout ouais. est centralisé en une seule gaine qui vient dans ton casque en fait contrairement à l'Oculus où tu as plusieurs câbles qui sont ce n'est pas branché sur un boîtier qui centralise ah, le tout ouais fil. mais alors là là où je t'arrête tout de suite c'est parce qu'il faut quand même te les brancher tes putains de capteurs de merde qui sont partout autour de l'écran donc tu as 50 millions de capteurs qui sont tous autant alimentés que tu dois brancher une prise à chaque fois donc tu as tes capteurs tes manettes elles fonctionnent pas sans fil et il faut bien les alimenter ou les machins. C'est le seul truc qui fil dans toute la verre. le là, qui traîne jusqu'à ton PC. Mais oui, justement, c'est ce dont je parle. Je dis qu'on n'a pas de câble dans ce dont je parle parce que je te dis que c'est lié à une sorte de ceinture. Mais les capteurs, ils ont quand même des câbles. C'est comme les mecs qui avaient des. Non, les capteurs n'ont pas de câble, justement. Non, les capteurs du Vive sont alimentés uniquement. Non, non, ils sont et bah, pas Et ben, bah c'est un cap d'alimentation. Mais ils sont allés. Ils Non, mais, non, est mais il n'est pas lié à toi, si tu veux. Non, et non, sont... évidemment, mais et jamais et dit soit ça. Tu un capteur que... là-bas et un capteur là, tu vois ce que je veux dire ouais, mais il enfin, pas... faut, faut quand même les alimenter, tu vois. Ah euh... oui, 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 oui bien il sûr. Il y en a combien Il y en a deux. Il y a un capteur de chaque côté pour justement que ça puisse cartographier la pièce à euh, et 120 degrés. Soit ils sont sur pied, soit tu les mets sur des machins. Enfin, tu les mets une fois dans une pièce que tu as décidé. Et une fois que c'est fait, en général, tu touches pas parce que de toute façon, si tu es à toucher, ça dérègle tout ton truc. Ah ouais, carrément. Il faut recalibrer. On a beaucoup parlé de ça. Bon, moi, ce que, ce que je retiens de ta, de ta présentation chrono, c'est quand même que le HTC -Vive, HT Vive reste. On l'avait déjà dit avant, quand même, Apparemment, le produit le plus complet et qui offre la meilleure expérience. Mais qui est que le plus là. cher Oculus essaye de se mettre à jour euh, convenablement ou pas. On le verra après. Et aussi que la technologie, donc, évolue quand même vers du sans fil. On a vu, comme l'a dit Pentaro, il y a des solutions pour ça. Et ce sera quand même. Euh, à mon avis, bien plus agréable à utiliser. Bon, toi, toi, t'es technophile, t'es avant-gardiste. Toi, tu voulais l'essayer, mais ah, j'aurais pas acheté en fait. Hein. On me l'a offert. Et j'en suis, ah suis très heureux en fait. Et maintenant ouais, que je l'ai, je me dis, putain, j'aurais raté ça. Ah, c'est ça, c'est comme ça que, que ça a marché chez moi. Ah, en fait. Comme dit Fred Donc, de Carglass faut pas rater ça. Ah. Non, non c'est vraiment une opportunité que j'ai eu parce qu'on m'a offert. Après, c'est extrêmement cher. Après, oui, quand il y aura du cloud gaming, et que tu pourras acheter simplement ton casque et que tu pourras louer les services du cloud gaming, là, oui, tu auras de la latence On ah, l'a déjà fait. Hein. Ouais, mais là, tu auras d'autres problèmes. C'est 15 coup. euros par mois pour jouer en 4K. En mais là, là, pour le coup, tu auras d'autres problèmes. C'est d'ici 5-6 ans qu'on aura quelque chose de totalement... Quand il y aura la fibre, quand il y aura la fibre chez Argenteuil. Non, mais là... Ah, là, non, mais c'est ah, quand il y aura la fibre argentée qu'on pourra faire ce genre de choses-là. Ah, non mais c'est vrai. Ce Aujourd'hui, je peux pas faire ce ça. Ce qu'on te dit, Chrono, c'est c'est pas une histoire de cloud gaming ou n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est streamer une image. Pour streamer une image, t'as besoin de quoi Les grands max, 10 mégabits par seconde. Mais toi, tu veux ça Que je n'ai pas. Que je n'ai pas. C'est que C'est du wi Mais je, 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 je que... mais... mais... suis d'accord. Toi, tu veux wifi. ça, je suis d'accord. Mais le, le chat ne veut pas ça. Le chat ne veut pas payer un PC à 2000 euros pour jouer avec. Euh, le chat, chat non, mais ne veut pas. Le chat a dit non. Non, mais ce que je dis, c'est ensuite, après, tu remplaces par un, par je sais pas, un PC en cloud gaming ou n'importe quoi. Ok, on a fait le point là-dessus. Il y avait un milliard de choses à dire, mais on va passer à la suite. Et la suite, tu la portes sur la tête. Ouais, ça, et c'est l'autre énorme actu du moment, énormissime actu du moment en termes de VR et même de console parce que c'est la grosse sortie de la fin d'année. Euh, c'est le PlayStation VR. Et justement petit Chazi, nos confrères de jeuxvideo.com ont pu l'essayer, ils ont un test, et c'est quand même les experts, hein, c'est jeuxvideo.com. Donc on va regarder euh, ce qu'ils en ont pensé et on se retrouve dans quelques petites minutes. A tout de suite. Après deux années d'attente, le voici enfin, le PlayStation VR, casque de réalité virtuelle de Sony qui sort des stands d'essai et envahira nos chaumières à partir du 13 octobre 2016. Nous avons eu la chance de recevoir notre exemplaire en avance et allons donc vous livrer notre avis sur le casque dans cette vidéo de présentation. Le PlayStation VR, anciennement Project Morpheus, est un casque vous permettant de jouer sur PlayStation 4 comme jamais auparavant. En effet, le concept est ici aussi simple qu'efficace. Un arceau se place sur votre tête, lequel permet d'ajuster un écran qui vient se positionner quant à lui au niveau de vos yeux. Grâce à ce dispositif, vous pouvez apprécier les contenus vidéo et jeux dédiés au casque en 3D à 360 degrés, jouissant au passage d'un son spatialisé. Notez par ailleurs qu'une prise en compte de vos contenus et jeux non compatibles réalité virtuelle est aussi possible et ces derniers apparaîtront alors dans le casque via l'affichage écran virtuel, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Avec cette nouvelle dimension immersive, le principal atout des casques VR est évidemment le fait de pouvoir regarder à loisir autour de soi pour admirer l'action d'un jeu. Et oui, on vous avait prévenu, la VR est une toute nouvelle façon d'aborder le jeu vidéo et cette mouvance n'en est actuellement qu'à ses débuts. Dans ce nouveau marché, le PlayStation VR a une tâche difficile, démocratiser la réalité virtuelle, connue principalement sur PC pour son coût élevé et son catalogue de jeux de qualité encore un poil trop peu fourni. Ses atouts pour réussir cette tâche? Une solution au tarifs bien plus abordable que ses concurrents PC haut de gamme. Comptez 400 euros si vous disposez d'une PlayStation Caméra et de PlayStation Move, un peu plus de 500 si ce n'est pas le cas. Le PlayStation VR se veut également pratique, confortable et jouit des licences partenaires de Sony pour étoffer le catalogue de titres et expériences. Voilà donc pour le tableau général. Attaquons-nous désormais au design, au démarrage, au pack et à notre bilan afin de savoir ce que vaut ce casque. Commençons donc par le design, puisque Sony a souhaité mettre le paquet sur le PlayStation VR pour qu'il s'intègre bien à l'habitat des adeptes de nouvelles technologies et s'intègre bien dans votre salon. Face à ses concurrents PC que sont l'Oculus Rift et le HTC Vive, sobre et sombre, le PlayStation VR adopte un revêtement plastique noir et blanc avec des LED bleues. L'arceau est renforcé en caoutchouc rembourré afin que le port du casque soit le plus confortable possible. On remarque également des ailettes souples au niveau du nez dans le but de supprimer un maximum les jours, favorisant ainsi l'immersion. Le casque est très design, répartit bien son poids à l'avant comme à l'arrière et s'avère agréable à porter. De plus, il génère assez peu de buée sur les lentilles car contrairement à ses concurrents, la dalle n'est pas strappée au visage du joueur mais juste posée devant ce qui autorise un peu d'air à rentrer et limite cet effet désagréable de flou à cause de la buée au bout de 30 minutes à 1 heure de pratique. Passons désormais à ce qui est compris, à l'achat avec le casque. Pour la modique somme de 400 euros, soit tout de même le prix d'une PlayStation 4 Pro flambant neuve, les joueurs peuvent s'essayer aux joies de la VR et trouver dans la boîte le casque, les câblages nécessaires ainsi que le boîtier visant à dupliquer le signal vidéo de la PlayStation 4 pour envoyer ce dernier dans le casque et sur l'écran. De cette manière, le PlayStation VR va tenter d'aborder la convivialité dans le monde très fermé de la VR grâce notamment à des jeux comme Playroom VR qui introduit le gameplay asymétrique entre plusieurs joueurs. Notez que le PlayStation VR a besoin d'une PS caméra pour tourner de manière optimale et que deux PS Move ne seront pas de trop pour les jeux de tir ou ceux dans lesquels vos mains seront prises en compte. Une sorte de résurrection du motion gaming en somme qui, grâce à l'accessoire de Sony, s'en sort plutôt bien face aux coûteuses mais extrêmement précises manettes du HTC Vive ou de l'Oculus Rift. Côté branchement, il faut savoir que la connectique est assez minimaliste puisqu'un seul câble sort du PSVR et va rejoindre le boîtier qui duplique le signal. Vous aurez une demi-douzaine de branchements à effectuer avant de pouvoir lancer votre PS4 et calibrer le PSVR, une action qui prend... Mon en main pas plus de 5 minutes après quoi la dalle 1080p du psvr s'offre à vous et vous propose de lancer votre cd de démo regroupant huit petits jeux huit petits jeux et pas des moindres puisqu'on y trouve différents styles représentés par drive club vr pour les amateurs de course le shooter f valkyrie et son univers spatial ou bien encore rigs Mechanized combat league pour des combats de mecha en arène notons toutefois que les autres titres tumble vr battle zone headmaster wayward sky ou bien encore la compilation de cinq mini-jeux playstation vr worlds ont le mérite d'exister, bien que ces derniers jeux semblent offrir un potentiel assez limité. Le PSVR, avec sa résolution en 1080p 120fps et son champ de vision à 100 degrés environ, propose une expérience de réalité virtuelle immersive et plutôt agréable. Outre le confort du casque en lui-même, les sensations procurées par les différentes démos figurant dans le pack sont convaincantes, en offrant un éventail plutôt complet des nouvelles perspectives offertes par la réalité virtuelle. Si certes le tarif oblige, la qualité d'affichage ne rivalise pas avec la concurrence et que la finesse des décors ou des modèles 3D laisse parfois à désirer, le PSVR est une bonne alternative pour mettre un pied dans cette nouvelle façon de jouer à un prix bien inférieur à celui de la concurrence. Pentarou s'énerve! Ah oui, Pentaro mais... pendant la vidéo en fait. lui, La Pentaro. vidéo nous a mis hors de nous! Pentarou est très énervé parce qu'on parle long, longuement d'un produit Sony, donc si vous c'est de la merde! Donc non mais, voilà, mais c'est tu l'as même pas essayé! regarde mais... moi je l'essaye, et je peux Pentaro, Pentaro, le dire! On va okay. faire un truc, moi de toute façon, je vais avoir la PS4 Pro que tu vas m'offrir, Day One! Donc, des tu me ouais. prêteras le PSVR et je testerai le PSVR sur la PS4 Pro. En sachant que je suis censé hein, avoir tu... la meilleure expérience possible ça changera rien. avec Sony. Oh, ça changera Mais ça va, rien. va rester ouais. des jeux en, en low poly qui sont à chier. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit dans le reportage parce que vous avez reconnu la 12 voix de Spider qui vous dit à peu près ce qu'on trouve dans la boîte, comment ça marche, euh, quels sont euh, les jeux et démos disponibles aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de mon expérience, puisque j'ai pu, euh, pu euh, le ramener chez moi. Tu as réussi à télécharger les mises à jour Et je vais vous dire, justement, je vais vous dire des trucs assez concrets euh, qui ne sont pas forcément dit dans la vidéo, et c'est vraiment expérience utilisateur. Euh, le premier truc qui, qui choque, qui, qui choque, euh, oui je peux le dire, qui choque en fait quand on a déballé tout le matos, c'est, euh, j'ai posté d'ailleurs une photo de ça sur, sur mon Twitter, qui a été assez reprise, parce que ça a amusé tout le monde, c'est la, la somme incroyable en fait de câbles que tu as euh, à, à brancher. C'est-à-dire que ouais, tu as tu le les PlayStation as comptés, VR, les tu as son, son petit dock, euh, son petit boîtier qui fait l'intermédiaire entre le PSVR et la télé, tu as les PlayStation Move. Tu as euh, l'alimentation du PSVR, tu la as les caméra. câbles de la, la, PlayStation, la PlayStation Caméra et tout ça, euh, tu as la console et ses câbles euh, à elle. Attends, confirme-moi, il, quand... il y a euh, une somme de câbles qui est assez incroyable, et il faut un petit moment quand même pour brancher tout ah, ça. Confirme-moi, Trunks. Là, 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 on a deux HDMI, c'est ça. Mais il ouais. faut, faut pas alimenter le câble en plus, si. non, euh, non, le, le casque le, en plus. Le, le, ça, le... c'est la seule chose que tu branches au boîtier, on est d'accord. Le... Alors, tu branches au boîtier, mais, ça, le, tu boîtier, au boîtier. mais, mais le boîtier, boîtier tu l'alimentes. Oui, voilà, d'accord, oui, d'accord, okay, okay. mais ça, ça, je ça tu branches cadre. que ça au boîtier, ok. Du coup, en fait, il y a quand même vraiment beaucoup de choses, et c'est assez impressionnant, voire intimidant. C'est-à-dire que, voilà, quand tu quand tu as de l'expérience du jeu vidéo, que tu as eu beaucoup de consoles, et que tu as branché des Kinect, des, des, Kinect, des Wii U, ce genre de choses, es habitué. Par contre, je pense vraiment que les... Les familles, si tu veux, euh, ouais, les grands-parents qui vont offrir ça à Noël, à leurs, ah, leurs petits-enfants, etc. Mamie va, va qui, vont ouvrir et pistons, qui vont rentrer la boîte, ils vont euh, se retrouver en face de tout ça. Ils ne vont pas se retrouver en face de tout ça. Parce que toi, tu as eu un press kit, donc tu as eu les deux PlayStation Move d'offert. Et la PlayStation caméra d'offert, ça ne sera pas vendu avec le PSVR. Oui, mais monsieur. Monsieur. Euh... Non, mais ils vont aller à la Fnac et le vendeur de la Fnac va Exactement, rien, vous monsieur ça, Micromania vous ou ça. Ça. monsieur Fnac. Okay. Voilà. Parce tu jamais, jamais allé à la Fnac comme ma... monsieur, et madame, tout le monde. Ok, pour donc acheter au des lieu de trucs. payer 300 euros l'expérience VR, ils vont en lâcher pour 500 fiché euros. parce que. Hein. Parce... <laughs> Regarde-le, ça y est, il commence. Il <laughs> commence à s'énerver. Il commence à s'énerver. Il ne s'énerve pas. Ce serait Kinex, il dirait Oh, c'est en cher. On va en parler en détail. Et là, je parle déjà juste de l'expérience et du le fait que tu dois brancher tout ça et que qu'effectivement il y a un setup qui est plug and play, mais plug and play, euh, beaucoup de plug avec, et avec, et pas beaucoup de play, avec beaucoup de plug et pas beaucoup de play, ça va peut-être euh, en calmer certains. Par contre, je, je vais quand même rester euh, juste là-dessus. C'est chiant une fois, une fois que tu l'as fait, c'est bon. Voilà, c'est juste ça, que, c est c est réglé. Vrai, en fait, c'est réglé. Et et je et je savais que chrono Je suis pas rejoindre. totalement d'accord avec vous parce que là on parle d'une console de jeu. Une PlayStation 4 au milieu de votre salon. Oh, toi, retourne jouer à Mega non, bon. non, mais croyez-moi. On a compris, je sais. Je vrai. sais que dans le temps, c'était pas comme ça que ça allait vite. Croyez-moi que vous voulez débrancher, rebrancher vos consoles tout le temps et que le machin. Ben non, avis, quand t'as un écran OLED en place, comme Trunk, c'est à 5 pour HDMI. Qu'est-ce que tu débranches Ré Rien que ce machin-là, là, il va falloir le stocker quelque part. En plus, tu sais où te le mettre. Tu sais où te le mettre. Si t'as <laughs> voilà. pas de place, moi je sais. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Euh, donc, mon expérience, c'était ah ouais. ça. En gros, moi, ça m'a un petit peu fait déchanter de voir que j'allais passer euh, 35 minutes à tout brancher. Tu fais, le fais. Tu calibres. Et, et, et ça, l'un des mauvais aspects de la VR, et ça, que ce soit PlayStation ou pas, c'est que voilà. Finalement la caméra te dit mais attends ton canapé il est là mais tu dois être à 2 mètres du oh truc. Ouais, ouais. donc qu'est ce que je fais je m'avance je suis mal dans le canapé je suis pas adossé je vire la table basse pour pousser tout ça tu as besoin d'espace tu as besoin d'espace et honnêtement tu vois, on déjà 10 000 fois trop vent. l'a on déjà mis dix mille fois pour la, pour la Kinect, Kinect pour les pour la wii etc mais franchement la vr c'est encore pire c'est une étape au dessus et vous devez, encore pire ça vous devez aménager votre espace intérieur. Pour la VR, croyez pas que si vous habitez dans un studio ou un petit deux pièces, vous allez arriver, brancher tout ça et jouer en 10 minutes. C'est pas, VR. pas vrai. Pour le PSVR, c'est pas VR. forcément vrai pour le rift et pour le Vive, Attention. Oh non, non, mais toi, c'est encore en, pire. En, tout en tout cas, c'est des concessions. Joues, tu joues en deux journées de travaux dans tes maisons pour brancher tous les capteurs. N'oublie pas que le marché est segmenté et que du coup, tout le monde n'a pas un room scale. Tu peux très bien mettre ta, ton capteur et te poser sur ton bureau et ça fonctionne. Voilà, chrono, réponse à tout. Tu as bien mouché Canmogard, Bravo. Ah, la bon. suite, c'est que euh, la première bonne surprise, par contre, une fois que tu t'es tapé tout ça, et je répète, tu te le tapes une fois, c'est chiant, mais tu te le tapes, c'est que le, le casque est par contre bien ajusté à ta tête. C'est-à-dire qu'il est réglable, on le voit là à l'image, il est réglable euh, sous plusieurs axes. Tu peux donc faire basculer Sérieux euh, la visière non, avant bah avec, grâce arrivé. au bouton qui est en dessous. Ou ça tu vois qu'il y a un le bouton le en dessous de pain, hein. Quand tu appuies et que tu tires ah. vers le bas, tu peux le faire basculer. Et tu peux tirer, tirer aussi l'ario l'arso qui est derrière. Alors tu ça, peux, par tu contre tu contre peux complètement... le tirer et donc ensuite régler ça avec une petite molette. C'est ouais. un ça bouton en fait. Tu le bouton pour le déloquer. Et ça, ils l'ont complètement pompé à l'HoloLens par contre. Hein. Oh, Pentaro c'est pas possible. V, mais c'est oh, vrai. Ça suffit. Et n'a pas inventé tous les casques-arso du monde. Ça, si. Et ça, ils l'ont pompé. Tu fais chier sensu. Fais chier chérie. AlloLens, ce que je te dise C'est bon. Non mais je t'assure je suis pas bien dedans là quand même. <laughs> il, va, il va gerber, il va gerber le... Je, je suis pas bien dedans... Oh, regardez-moi regardez ce, ce jeune BG là comme il a l'air. J'ai mal. Je vois directement qu'il est bien. En tout cas, moi enfin, je sauf trouve que c'est fake parce qu'il n'y a pas un câble. Moi je le trouve confortable et relativement léger. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fixé, Aïe. il tient bien. Euh, on notera que sur le câble du casque, il y a donc euh, un trou pour mettre des écouteurs. Donc voilà, tu te mets tes petits écouteurs, euh, ils sont fournis, fournis c'est des intras, euh, ils sont de qualité correcte, il n'y a rien à dire. Euh, ensuite, euh, que vaut dire d'autre sur mon bah, expérience Est-ce que tu parles du jour que tu vois quand tu mets le casque en bas Alors effectivement, on voit un petit peu à travers le casque. Mais ça c'est un parti pris et ça peut se tenir. C'est un parti pris Ah oui, oui, c'est un parti pris. Le parti pris il est simple, c'est que comme disait Spider dans sa vidéo tout à l'heure, quand tu poses le casque sur ton visage et que tu, as, et que tu ajustes la en fait il n'est pas collé à tes yeux. C'est ça, il y a un petit peu de jeu, entre guillemets. Ça. Il y a, ouais, du coup, coup ça a un avantage et un inconvénient. tu peux garder tes lunettes. Alors de... Non, de ceux déjà, qui déjà, des lunettes, déjà sur, le, sur, sur le Vive, tu peux garder aussi tes lunettes. Mais bon, y a le... je sais pas sur l'Oculus si on peut garder les lunettes, parce que moi, je n'ai pas de lunettes. Mais j'ai des amis qui ont des lunettes qui sont venus chez moi pour le Vive. Mais bon, et du coup, en fait, l'avantage, c'est que tu peux garder tes lunettes. Tu peux quand même, en fait, le mettre très rapidement, l'enlever, le passer à quelqu'un, etc. Tu n'as pas besoin de le régler euh, de manière avec des scratchs à chaque fois, ce qui est ouais, le cas est... sur le Vive et sur l'Oculus. Par contre, le désavantage, c'est que du coup, pour des expériences où tu dois te baisser, regarder sous des choses, etc., ben, ils peuvent sauter de ta tête. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Euh, vais... On est déjà un peu à la bourre donc je vais accélérer. Euh, le... euh, les problèmes maintenant euh, de, de ce, du setup, entre guillemets, c'est aussi, euh... enfin, c'est un problème, mais c'est un avantage à la fois. Je ne sais pas ce qu'on qu dira Chrono, parce que sur Vive et Oculus, on a vu que c'était pareil. Mais c'est que finalement, effectivement, comme l'a dit Pentahoud, dans le pack, tu as une caméra... Qui est obligatoire et tu as euh, ces PlayStation Move qui sont fortement recommandés, qui ne sont pas fournis avec. C'est-à-dire que voilà tu as acheté ta console, Ok ça a un coût, on va dire 400 euros quand tu l'as acheté quand elle est sortie, ou 400 euros pour la PS Pro qui arrive bientôt. Tu, as, euh, tu dois racheter les moves, euh, 80 balles à peu près. Alors tu dois acheter ta caméra, 60 euros à peu près. Mmh. Tu achètes le PS VR, 400 balles. Et ensuite, tu vas t'acheter des jeux, évidemment. Mais voilà, c'est-à-dire que petit à petit, on arrive quand même à une addition qui avoisine les 1000 euros et c'est pas l'idée que se font euh, les joueurs consoles de, de ce genre. Là, de, surtout de pour produit. la qualité des écrans qu'il y a dans le PSVR. cest à qu'en plus c'est même il pas. Enchaîne, il enchaîne. enchaîne il direct. Direct. Mais j'enchaîne. Mais direct. Il faut, 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 la... faut parler des choses déjà que l'Oculus. Quand j'ai testé l'Oculus par rapport au Vive, la résolution de l'écran de l'Oculus était déjà faible par rapport à la résolution de, du Vive. C'est la version commerciale que tu avais testée Non, non, c'est pas la commerciale, c'est pour ça. Non, la commerciale, bah c'est la même ça, résolution, elle a progressé. Ouais, mais peut-être, parce que je veux dire, c'est que là, ce que tu as en résolution d'écran, c'est pitoyable par rapport à du Vive. Oui, mais attendez, il faut, faut remettre les choses dans, quand même dans leur contexte. Là, on parle d'un casque qui coûte 400 euros. C'est vrai que Sony, là où ils ont été oui, entre guillemets forts... C'est qu'ils ont fait un prix d'appel à 400 euros. C'est-à-dire que les gens voient, les gens regardent, ils se disent 400€ mamie, mamie seulement mamie. Non, mais voilà, c'est ça. Et mamie, je veux ça. Mamie, je veux ça à Noël. 100€. Oui, on est d'accord là-dessus, mais oui, bon, oui. ça c'est autre chose. La caméra, elle est obligatoire. Donc, du coup, quand mamie va aller à la Fnac, elle va dire Oui, mon fils, il veut ça. C'est vrai que ça coûte 400 euros. Il faut que tu prennes ça et la caméra. Le gars de la Fnac, va dire Oui, mais il faut prendre la caméra avec. Elle est obligatoire. Ça fait 460. Les moves ne sont pas obligatoires. Mais bon, les moves ne sont pas obligatoires. Et c'est les mêmes que la PlayStation 3. Tu peux les trouver à 10 balles à cache converteur. Exactement voilà non, mais, voilà non, mais c'est pour ça que quand même moi je suis pas voilà. un fervent admirateur par du contre, psvr oui, euh... mais quand même il faut, faut rendre à césar ce qui appartient faut... à césar pentaro pentaro par... est, un, est un puriste non Pintaro mais oui est mais puriste, là, il est un puriste la, la, la raison pentaro c'est que le monsieur tout le monde qui va aller à la fnac il se fait renfler 80 euros pour acheter les deux zizi hein, c'est sûr pentaro hein. est un puriste sony, euh, sony a fait un choix il ils ont pas fait un choix de sont... puriste ils ont fait un compromis. un compromis ils ont fait un compromis c'est à dire que le casse à 400 balles qui fait de la vr qui a peut-être des périphériques à racheter mais il fait, de la VR. il fait de la VR sur une console qui est sortie il y a deux ans et ça tourne et effectivement Pentaro a raison de le dire. Ans. Ce qui peut choquer en fait, sur le PSVR, c'est que vous n'aurez pas les graphismes de la PS4, vous aurez une résolution sensible, sensiblement moins bonne. Ça, vous voyez, il y a des petits points partout, ça pique un peu les yeux comme, euh, comme euh, quand on voyait les, les jeux PS2, PS1, PS1 PS2 de l'époque. Par contre, vous aurez quand même un rendu de console next gen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste la résolution qui chute lourdement et ça c'est vrai qu'on le sent et c'est vrai qu'on l'a dans la tronche. On voit ce fourmillement, ce tu peux dire aussi une chose très importante, c'est qu'on aura accès à des jeux verts PlayStation. Dont par exemple Summer Lesson. le jeu d'Otaku, il faudra il Et oui, je surtout un petit on l'avait ton truc à Summer Lesson, ça existera ailleurs que tu le veux ou non. Peut-être mais est-ce que c'est euh, eh bien aussi intéressant Est-ce qu'on va pouvoir jouer à des dora live extrême en VR Ah, dora live euh, beach volleyball. Est-ce qu'on pourra faire pas fu pas fû. pas fû. en, en VR Regarde ah ouais, putain. Pafus, oh, mais s'ils font ça pafus. alors là, il n'y a rien à dire. Bah évidemment. Euh, mais... <laughs> mais voilà, pour 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 schématiser et résumer un peu La Constance que... est bonne, elle est concluante. et n'oublie pas un truc Peter aussi, c'est qu'il y a 90% des gens qui vont essayer ça n'auront pas essayé l'Ocus et le Vive qui propose une, une meilleure expérience. C'est ça le plus important. Mais qui propose une expérience encore plus il de... deuxième chose importante, c'est qu'il y aura l'effet, wow. waouh Tu vas mettre et, ça dans le, dans, à la face de quelqu'un, ça se met vite, tu l'as vu toi-même. Le gars va l'essayer en magasin, il va dire, waouh, puis ça décharge le double effet qui se cool c'est qu'il va l'acheter, il va le jouer chez lui, il va voir la gerbe, il va dire, putain, en fait, j'ai le motion sickness. C'est pas possible, mais cet homme. ce casque, c'est comme ta Zoé. D'accord. Mais non, c'est un, si un prix d'appel. Mais c'est exactement ça. C'est un prix d'appel. C'est un produit à avoir, regardez ce qui n'est pas qui est parfait. Plutôt moyenne ouais, avec avec ma Zoé, je roule à 100 je roule à 50 ans. Je te montre que l'électrique, ça peut fonctionner à 60. Là, avec le tu roules même chiant. pas à 50. Mais oui, mais si, quand même. Parce que le Motion Sickness, quand les mecs vont l'acheter et tu vas avoir le Motion Sickness, eux, ils vont faire quoi mieux et il y aura mieux. Moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est que les gens vont l'acheter. Ils vont avoir l'effet waouh au bout de deux minutes parce que ça fait waouh. L'effet crêpe waouh. Voilà, et après, ils vont rentrer chez eux, ils vont y jouer, ils mais vont se rendre compte qu'ils ont la gadget. motion sickness, écoute... qu'ils vont gerber mais... au moindre jeu. Mais... Et, avec... et en plus, la résolution mec... pourrie n'aide pas la motion sickness. Ils l'enclenchent. C'est pareil avec par les autres casques de d'accord pour la motion sickness, moi. La résolution de l'écran, plus la résolution est pourrie, plus t'es sensible à la motion sickness. Par contre, c'est assez fluide. Voilà, moi j'ai essayé quelques démos, c'était assez fluide. Il y a 4 polygones qui se battent. Non, mais il faut que les gens le sachent. Les gens le sachent. Moi, mon conseil, c'est euh, le produit il fait le job, c'est de la VR. Et comme la Dickens par contre là il y aura des jeux entre guillemets plus évolué plus élaboré que des démos etc parce que c'est quand même sony qui s'y met voilà derrière là, là, et qui va là, push pour ça, ça j'ai dit ça parce qu'il fallait plaider l'avocat du diable oh, la si la la j'en suis, suis pas convaincu la... attends attends excuse-moi le, mais le playstation vr et la prochaine ps vita hein. sur les jeux en fait je dis, là, hein. là où c'est bien ouais. que sony mais en... mais je pense attends. que la vr et la prochaine playstation vita attends attends là où là où là où c'est important que sony en fait mette le pied dedans pour moi par exemple qui suis utilisateur de htc vive c'est qu'il y a un appel aux éditeurs pour faire des jeux Compatible VR, c'est aussi simple que ça, donc c'est à dire que moi, Resident Evil 7, même s'ils ont un an par exemple d'exclusivité Sony, eh ben, un an après moi j'y jouerai euh, dans une vraie résolution, vrai, faire dans une vraie résolution jeux, et avec de, de vrais ouais, contrôleurs. Ouais. Donc en tout cas, c'est un coup Sony, un qui, qui va dans ça. le bon sens. Euh, on va essuyer les plates, ce sera pas parfait. Tout le monde sait que dans trois ans il y aura des casques 20 fois mieux, mais voilà la VR en cette fin d'année 2016, c'est possible sur une console que. Quasiment que. presque tout le monde possède. Que, voilà, il y a beaucoup de gens qui possèdent. Et, euh, et voilà, moi je trouve déjà chapeau pour ça. Après, je suis d'accord, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts, mais ça existe. Voilà, et ça c'est. Après, déjà cool. oui. Voilà. Outre, ouais, outre le, la résolution, les défauts, c'est surtout les cas. Et, et l'effet waouh, voilà, les gens qui n'ont jamais rien essayé d'autre, quand ils vont mettre la tête dedans, ils vont quand même se dire waouh, wow. c'est un truc de dingue. Donc euh, au début, ça va commencer comme ça et ça progressera. Mais il ne faut On rien avoir essayé d'autre par contre. Oui, il ne faut pas avoir essayé les autres, voilà. Euh, voilà c'était tout pour ce débat vert sur lequel on a fait super long. Pentaro, tu vas pouvoir lâcher euh, toute ta cosménergie sur Google. Euh, on marque euh, 3-4 petites minutes de pause et on revient juste après ça.